Nakuja leo kusema mambo nilio yasikia. Baba mkwege ulio tupenda toka kale, matendo yako juu ya taifa ulionekana kutoka zamani kale. Upendo wako juu ya wamama ulionekana kutoka zamani kale. Umekuwa prix Nobel juu ya upendo wako na utetezi wako. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Initiative citoyenne congolaise, ICC en sigle, prix Nobel Dr Denis Mukwege. Je ne suis pas seule sur le plateau de Congo France Télévision. Je suis en compagnie de Monsieur Mwembo qui va se présenter à vous tout à l'heure. Bonjour docteur. Bonjour madame. Veuillez vous présenter devant notre grand public qui vous suit cet après-midi. Bon, moi, c'est le docteur Papi Wembo Nankoy. Je suis membre de l'ICC, responsable du caucus de jeunes au niveau national. Et là, je suis aussi candidat à député national dans la circonscription du Mouamba, au numéro 314. Et je viens ici pour parler de notre projet de société et de pourquoi nous sommes là pour représenter le peuple. Commençons par l'initiative citoyenne congolaise, ICC. L'historique de l'ICC, en bref, pour faire comprendre à nos téléspectateurs. Bon, l'ICC, c'est un mouvement des Congolais. C'est au départ une association sans but lucratif. Des Congolais qui se sont mis ensemble en étant fatigués de voir la guerre qui continue à l'Est, les exactions contre nos populations, les viols et les massacres de nos mamans et de nos frères. Et c'est comme ça que ces citoyens se sont réunis pour pouvoir essayer de mettre les idées ensemble, réfléchir sur comment sortir notre nation de ce marasme et de cette crise perpétuelle qui n'avance pas. C'est ainsi que nous avions lancé cette initiative en 2022. Et elle a pris du temps, mais elle s'est formée et aujourd'hui nous sommes là en tant que force vive de la société civile et nous voulons donner une réponse forte face aux défis que notre nation rencontre et nous voulons aider à ce que ce changement puisse arriver. Merci docteur Mwembo. Quel est votre rôle au sein de l'ICC? Oui, moi au sein de l'ICC, je suis le responsable du caucus des jeunes. Je m'occupe spécialement de la jeunesse parce que, étant jeune, j'ai facilité à comprendre la réalité des jeunes. Et à travers ce dialogue, il s'est forgé une relation et une complicité entre nous, les responsables, et la jeunesse que nous encadrons, avec qui nous avons eu à beaucoup parler sur les défis des jeunes, sur le chômage, sur les violences des jeunes, sur le manque d'éducation, les difficultés d'accès à des facilités sociales. Et tout ça, c'est le rôle que nous jouons avec cette jeunesse, essayer de les encadrer, les accompagner pour que ce soit des citoyens responsables et qui puissent jouer un rôle pour la refondation de notre nation. L'ICC est-elle un parti politique, une fondation ou un ONG ou que sais-je encore? Nous sommes une ASBL, une association sans but lucratif, mais ancrée comme organisation de la société civile qui militent pour des valeurs nouvelles. Et nos valeurs à nous sont ancrées principalement sur des valeurs que nous avions identifiées dans la personne du prix Nobel. Et c'est sur ces bases de ces valeurs que nous, en tant que ICC, nous voulons maintenant incarner ces valeurs et les propager au niveau de la société congolaise. Merci. Parlez-nous à présent du prix Nobel, le docteur Mukwege. En quelques mots, qui est le docteur Denis Mukwege? Bon, je ne saurais pas en quelques minutes parler du prix Nobel, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est le meilleur d'entre nous, parce qu'on est au Congo. Nous devons savoir reconnaître la grandeur. C'est le meilleur d'entre vous, à l'ICC ou de tous les Congolais? Le meilleur d'entre nous, les Congolais. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un des Congolais dont le travail a rayonné à travers le monde. Vous savez, quand vous travaillez avec abnégation, quand vous travaillez avec conscience, quand vous travaillez avec amour, à un moment donné, votre travail se met à parler.
Alors, le docteur Denis Mukwege... Et vous pensez qu'il est le seul Congolais qui, a travaillé de, qui travaille de cette façon? Non. Quand vous dites je... le seul, le meilleur de tous. Oui, j'insiste, je n'ai pas dit qu'il est le seul, mais moi je le classe comme le meilleur de tous ceux qui travaillent. Il y en a beaucoup, hein, nous n'allons pas le nier, il y a beaucoup de Congolais qui contribuent à l'avancée de notre pays, mais lui, il a fait un travail exceptionnel dans un environnement difficile, il a risqué sa vie. Et aujourd'hui, le monde a reconnu que ce qu'il fait pour soulager les populations face à la guerre, c'est un travail de titan. Et cela lui a valu beaucoup de prix de reconnaissance au niveau international. Et même, je pense, nous, en tant que Congolais, nous devions le plébisciter encore plus parce qu'il est un exemple, un modèle, ce qui manque beaucoup au niveau de la société congolaise. Voilà, quels sont les projets des sociétés du prix Nobel? Bon. Le prix Nobel a récemment présenté son projet de société, le projet qu'il va porter pour être candidat à président de la République. Et ce projet, en fait, il s'intitule « Réparer et soigner le Congo ». Dans ce projet, le prix Nobel a voulu axer son approche sur 12 piliers sur lesquels il a voulu asseoir cette réparation ou le soin du Congo. Et derrière ce projet, il a insisté sur trois grandes urgences sur lesquelles il veut travailler très rapidement. C'est la fin de la guerre, la fin de la faim et la fin des vices. Ce sont les trois projets urgents qu'il veut mettre en place dans le cadre de ce projet de société et qui devront donner une réponse sensible et ressentie par la population dans un délai très court pour, dans le cadre de son mandat présidentiel. Ok, prenons, citez-nous trois points, trois éléments clés de ce projet. Donc, comme je l'ai dit, sur les 12 piliers, il y a vraiment trois grandes urgences. La fin de la guerre, c'est une réponse à la crise perpétuelle que nous avons à l'est du pays et dans d'autres régions de la RDC. Aujourd'hui, au niveau de Kouamoutou, il y a toujours ce phénomène d'insécurité. Or, la responsabilité de l'État, c'est de garantir la sécurité des biens et des personnes. Or, aujourd'hui, on a l'impression que la population est abandonnée parce qu'elle n'arrive plus à être sécurisée par ceux qui doivent le faire, ceux qui ont reçu mandat et qui ont prêté serment de défendre la population. C'est ainsi que l'analyse de cette crise qui continue de perdurer a poussé le prix Nobel à concevoir cette approche qui va s'articuler sur des grands événements, parmi lesquels c'est vraiment une réforme au sein de l'armée et des services de sécurité et de la police, qui va permettre de repartir vers des nouvelles bases. En fait, le prix Nobel a réfléchi sur une approche qui va d'abord commencer par faire un état des lieux de nos services de sécurité, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police ou dans les services de renseignement, afin d'identifier non seulement les ressources humaines, mais aussi les ressources matérielles et tout ce qu'on a comme équipement et autres intrants nécessaires pour que la sécurité puisse être garantie. Et dans le cadre de cette reformation, il a insisté sur le besoin urgent que de la professionnalisation du métier des militaires et des services qui accompagnent l'administration, qui accompagnent les services de sécurité. Et en essayant de professionnaliser ces services de sécurité, en mettant un salaire décent et qui est conforme aux besoins sociaux de ces individus, de ces personnes, et en veillant à ce que l'armée soit suffisamment équipée et que les équipements soient traçables. Et donc on sait que lorsqu'on a remis des munitions à un bataillon, ces munitions ne vont pas se retrouver du côté de l'ennemi. Et tout ça, c'est cette approche que le prix Nobel veut mettre en place en urgence pour remettre notre armée en état de combattre. Et bien sûr, après, il y a tout ce qui est influence dans le cadre de la diplomatie et des accords au niveau de la sous-région, pour pouvoir se rassurer que dans le cadre de cette guerre, de cette insécurité qui perdure à l'Est, on va utiliser tous les mécanismes au niveau de la sous-région et au niveau continental pour pouvoir ramener cette paix. Et une des approches innovantes qu'il a voulu initier, c'est d'insister que nous pouvons aussi, dans le cadre de cette reformation, demander une force d'imposition de la paix qui est différente d'une force qui vient en observation. Nous l'avons vu avec l'intervention en Ituri avec Artemis, c'était une force militaire qui a imposé la paix. Et nous pouvons prendre ce modèle parce qu'elle a marché
et réutilisé pour permettre d'imposer la paix en permettant au pays de rapidement professionnaliser et se mettre en état de défendre sa frontière. Bien sûr, dans le programme, il a articulé en parlant des unités d'intervention rapide et puis de la vigie police et les services de sécurité qui vont contrôler la frontière. Il a expliqué beaucoup de concepts que nous ne saurons pas développer directement dans le cadre de cette émission. Mais le deuxième volet, c'est la fin de la fin. Et là encore, le prix Nobel a été très inventif. Il a pris le temps d'observer, d'analyser ce qui marche dans le pays et ce qui n'a pas marché pour faire quitter notre pays de la crise alimentaire qu'elle a aujourd'hui. Vous savez, la RDC a un taux de malnutrition qui est scandaleux. Et la population n'a pas accès à de la nourriture facilement parce que nous ne produisons presque plus. Là où l'on produit, c'est vraiment pour la subsistance. Alors que nous avons des milliers d'hectares de terres arables. La RDC pourrait nourrir le continent, si pas le monde, avec ce qu'elle arrive à produire, avec ce qu'on a comme potentiel. Pourquoi ne pas transformer ce potentiel-là en un résultat réel? Et ça, c'est la réponse que emmène le deuxième projet d'urgence, qui est la fin de la fin. Là, le prix Nobel a été très audacieux. Il est parti sur un modèle militaire. C'est-à-dire, nous devons rendre la production agricole en se basant sur un modèle vraiment typiquement militaire. Et ce projet va avoir pour premier élément de mettre en place ce qu'on appelle des villages agricoles. Ces villages agricoles vont être constitués de plus ou moins 6 compagnies qui vont s'occuper des aspects de la culture vivrière, maraîchère, de la création, de l'ouverture des routes, de la transformation des produits agricoles et de tant d'aspects qui vont permettre à ce que nous puissions rapidement pouvoir fournir à nos populations une réponse alimentaire qui est adéquate. Et par rapport à cela, il y a aussi ce que nous appelons les districts agricoles qui vont être en fait un agrégat de ces villages. Et là, on va essayer de centraliser en fonction des spécificités de chaque village des productions pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous pouvons produire, qu'est-ce qui provient d'où et qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir équilibrer un peu cette production et servir un peu toute la population. Et ça, c'est un modèle qui, à mon avis, est très bien réfléchi parce que déjà, parmi les ressources humaines qu'on va récupérer, on va prendre les démobilisés. Donc, il y aura un programme d'abord. Premièrement, il va décréter un état d'urgence agricole où on va essayer de se décider que maintenant, nous allons nous lancer dans la production de l'alimentation et c'est une urgence nationale. Et ensuite, on va essayer de mettre un programme de démobilisation et réinsertion. C'est-à-dire, on va désarmer, démobiliser, réinsérer toutes ces percées militaires qui étaient dans les groupes armés, qui faisaient un peu des exactions à gauche et à droite, et les ramener pour qu'ils entrent maintenant dans cette structure qui va avoir pour mission de produire les aliments. Et derrière cette structure, il y aura aussi, bien sûr, tous les jeunes délinquants et aussi les volontaires qui vont venir se joindre. Et on va professionnaliser ces unités afin de rendre cette production suffisante pour la nation, si pas pour les pays voisins et pour l'Afrique. Pour les pays voisins et pour l'Afrique entière. Docteur Wevo, vous êtes candidat à la députation nationale. Quel est votre avis sur les élections? Bon, avant que je saute sur cette question, je rappelle qu'il y a un troisième point d'urgence que le prix Nobel a rappelé. Et j'aimerais quand même qu'on en parle aussi parce que c'est important. Oui, en bref, si vous pouvez en résumé, donner quelques... Je peux dire que c'est aussi la fin des vices. Vous savez, notre pays souffre des antivaleurs ont pris le dessus sur les valeurs dans notre pays. Aujourd'hui, un mandateur public, un gestionnaire qui a l'autorité publique de l'État, beaucoup d'entre eux ne se sentent pas redevables vis-à-vis de la population. Certains sont même dans des vices tels que les détournements. D'ailleurs, la plupart ne sont pas de modèles pour la population et pour la jeunesse également. Donc, il y a beaucoup de détournements, beaucoup de corruption et l'argent qui devrait servir à répondre aux besoins sociaux sert à remplir les poches des gens. Voilà pourquoi le prix Nobel, dans le cadre de cette approche, va aussi faire un amendement du code pénal en transformant le détournement en crime de lèse-nation et de lèse-peuple et la corruption en crime de lèse-État. Donc, et cela va aboutir par une aggravation de la peine. On va passer de quelques années à vraiment une condamnation à perpétuité pour un responsable
publics qui détourneraient l'argent de l'État pour ses intérêts personnels. Et ça, ce serait une réponse forte et énergique par rapport à tout ce qu'il y a. Et bien sûr, il restera les autres piliers dont peut-être nous n'aurons pas le temps d'en parler dans le cadre de cette émission. Mais j'invite la population à aller voir dans le site du docteur Denis Mukwege, www.denismukwege2023.com, où ce projet est disponible et les réalisations du prix Nobel sont disponibles pour pouvoir lire en détail ce que je viens de dire là. Alors, pour répondre à la question... Votre point de vue sur les élections. Je veux déjà dire que oui, certes, nous ne cessons de le dire, ces élections nous semblent chaotiques. Il y a très peu de signaux qui nous rassurent par rapport à l'organisation des élections. Et nous ne ressentons pas un dialogue entre celui qui organise les élections et nous, les parties prenantes à cette élection. Nous espérons que vraiment M. Kadima essaiera d'améliorer tant soit peu le rapport et les échanges entre nous et lui, parce que nous avons l'impression qu'on est trop dans l'improvisation et trop dans l'à peu près. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous nous préparons pour les élections et là, nous sommes en pleine campagne électorale. Nous avons eu à dénoncer beaucoup de choses qui se sont passées, entre autres, beaucoup d'antivaleurs. Durant cette campagne, on a des discours qui sont tournés vers presque des discours de haine tribale qu'on a vu. On a vu aussi beaucoup d'indexation, mais le débat a quitté l'élément principal, c'est-à-dire le projet, le programme. Les candidats, aujourd'hui, se comportent, et ça nous disons, à l'exception du docteur Denis Mukwege qui essaye de faire parler son programme, d'expliquer à la population ce qu'il veut apporter dans le cadre de son programme, on a l'impression qu'on assiste plutôt à un concours entre les partisans d'un musicien et les partisans d'un autre musicien en train de discuter sur qui a rempli le stade de martyr, qui n'a pas rempli le stade de martyr. Donc on est plus dans le concours des plats, le concours des gens qui courent derrière. Des comparaisons. Et là, on est dans des invectives. Un camp jette la pierre sur l'autre, un autre camp réplique sur l'autre. Et au finish, le peuple est embarqué dans ce folklore. Alors que le vrai... Nous, on attend qu'ils nous disent, pour ceux qui ont un bilan à présenter, qu'ils nous disent, OK, nous avions prévu X nombre de programmes, nous en avons réalisé X, et on fait un rapport en nous disant, est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Nous attendons aussi que ceux qui viennent, qui veulent entrer, qu'ils nous disent, voilà, quand nous allons prendre notre programme, voici ce que nous voulons faire. Et que ce ne soit pas des promesses, mais vraiment un programme bien détaillé tel que le prix Nobel l'a présenté et qui nous permette de pouvoir assimiler ce qu'ils veulent faire pour la nation. Et ça, nous rappelons à la population, nous disons à la population, demandez à tous les candidats, y compris nous, les candidats députés nationaux, que ce soit ceux qui viennent pour les provinciales et puis aussi pour ceux qui viennent au niveau des conseillers communaux ou municipaux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Demandez à chaque candidat, qu'est-ce que tu vas faire pour les 5 prochaines années? Tu nous demandes un mandat. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton programme? Quelle réponse tu veux apporter? C'est-à-dire, quel problème tu as identifié avec ceux qui sont acteurs aujourd'hui? Et quelle réponse toi tu veux apporter pour que la population comprenne réellement ce que nous voulons faire? Et c'est là que j'invite vraiment la population à s'imprégner du programme, du projet de société du prix Nobel, à nous recevoir et à nous écouter par rapport au message que nous disons. Nous, ce que nous disons en tant que candidat, c'est quoi? Nous disons que, un, nous avons vu ces 5 dernières années une Assemblée nationale complaisante avec le gouvernement. Il y a eu beaucoup de situations où nous attendions que l'Assemblée nationale joue son rôle en tant que pouvoir indépendant, un des 3 pouvoirs, et qu'il puisse recadrer le gouvernement, spécialement dans le cadre de la délinquance financière. On a fustigé la mauvaise utilisation des ressources de l'État, des affectations fantaisistes des crédits de l'État et aussi des dépassements budgétaires qui ont été amputés dans des secteurs du budget qui devaient servir au social pour peut-être des dépenses qui sont farfelues et peut-être pas utiles pour la population. Malheureusement, l'Assemblée nationale a été complaisante. À chaque fois, elle revenait, malgré quelques députés qui ont essayé de se démarquer dans l'interpellation. L'ensemble a voulu étouffer le contrôle parlementaire, a voulu étouffer le débat sur l'affectation des ressources et l'utilisation.
Et malheureusement, nous voulons maintenant essayer de répondre à cela en apportant une réponse plus concrète. Donc nous voulons être plus un contrôle parlementaire plus sérieux. Nous voulons un débat sur l'affectation des ressources, surtout spécialement dans le social, qui va être plus axé sur les besoins sociaux des bases. Combien on alloue dans les secteurs de la santé? La RDC s'est engagée au niveau continent à allouer un certain pourcentage de son budget au secteur de la santé. Posez-vous la question, à quel niveau sommes-nous de taux d'affectation pour la santé? Il faut se poser cette question. Nous avons déjà la gratuité de la maternité, ce qui est quelque chose. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui... Nous ne sommes pas nihilistes. Nous ne disons pas que rien n'est fait, parce que tout ce que nous apportons comme projet aujourd'hui va s'ancrer sur un existant. Mais nous disons qu'il y a l'existant, mais l'existant doit aussi être évalué en termes de performance. Vous avez produit quoi entre l'attendu? Nous sommes dans le cadre de la couverture santé universelle. Et dans le cadre de la couverture santé universelle, le but, ce n'est pas une catégorie seulement de la population. Le but, c'est que la majorité de la population puisse avoir accès à des soins de qualité à un coût qui ne les appauvrit pas. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe dans la population. La population a peur d'aller consommer les services de santé parce qu'il y a ce qu'on appelle la barrière financière. La barrière financière. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle se dit, si j'arrive à l'hôpital, ça va me coûter très cher. Et c'est ce qui est difficile pour la population. Ainsi, nous voulons que ce débat ou notre apport puisse être axé sur la réponse à des besoins sociaux qui va permettre à la population de ressentir vraiment que maintenant le gouvernant ou les gouvernements apportent une réponse à leurs besoins. Voilà. Merci, docteur Mbembe. Vous êtes candidat à la députation dans la circonscription de Mohamba. Quel est votre point commun avec la population de Mohamba, en particulier avec la jeunesse de Mohamba? Déjà, moi, je suis un enfant né et j'ai grandi dans la circonscription de Mohamba. Et donc, je connais les réalités de mon quartier. Moi, j'ai habité Lemba Limité. Je connais les réalités de Kisenso parce que j'y ai travaillé dans le cadre de certaines activités de santé. Je connais la réalité de Ngaba. Je connais la réalité de Matete. Je connais un peu plus ou moins ce qui se passe spécifiquement dans certains quartiers aussi de cette circonscription. Donc, je m'identifie personnellement à cette population. Et puis, je vais vers cette population parce que effectivement la réponse à leurs besoins traîne. C'est-à-dire que cette population, quand vous descendez, quand je descends vers les bases, ils me disent, ces bases me disent certaines choses. Ces populations me disent honorable, parce qu'ils m'appellent déjà honorable, parce qu'ils m'ont déjà adopté. Ils me disent honorable, papy, nous voulons que tu puisses aller parler pour nous, que tu veux assez que nous ayons un meilleur accès à l'électricité, à l'eau potable, que nous puissions avoir un accès meilleur aux besoins sociaux de base, tels que les accès aux soins de santé à des prix qui ne nous étouffent mais pas. Mais avec les problèmes d'électricité et de l'eau, mais il y a déjà quand même quelque chose qui s'est fait pendant le mandat de chef de l'État, Antoine Tshisekedi, il y a quand même beaucoup de problèmes d'eau et d'électricité qui était déjà abordable et arrangé dans la plupart des communes et des quartiers d'ailleurs, je dirais. Bon, moi je suis du Mohamba. Quand je vais à Salongo par exemple, on me dit que l'eau ne coule pas dans les robinets ou il coule rarement. Les habitants de Salongo le disent. Quand je vais dans des quartiers Andanou ou je ne sais pas, je prends à la volée les quartiers comme ça. Mbanzale, Mbandano, Livoulou, quand je vais à Rigini, à Salongo. Les gens, tu peux passer une demi-journée, tu ne vois pas l'électricité. Ah bon? Ce sont des réalités. Donc quand on parle, la réponse, elle peut exister, mais est-ce que le ressenti de la population, c'est quoi? Il faut être là pour leur poser la question. Et c'est ce qu'ils nous disent. Nous venons que dire ce qu'ils ont dit. Donc là, par exemple, il faudrait que nous, en tant qu'élus, nous puissions devenir très sérieux, même dans le contrôle du travail de la SNEL, nous poser la question pourquoi la réponse de la SNEL n'est pas efficace. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous qui avions grandi à l'époque avec de l'électricité 24 heures sur 24, et quand ça partait, il y avait un communiqué à l'époque à l'OZRT qui est la RTNC aujourd'hui. Et aujourd'hui, la SNEL peut te couper le courant sans qu'il y ait un message et tu ne te poses pas la question quand ça va revenir, il n'y a même pas d'information là-dessus.
Aujourd'hui, un individu arrive, il coupe le courant dans une cabine et il sort, il part. Un autre arrive, il improvise un délestage pour dans un quartier pour donner à un autre quartier qui est programmé. Mais on est c'est vraiment là, c'est le désordre, c'est le Capharnaüm. Et ça, c'est dommage. Il faut qu'on mette un peu plus de sérieux dans ça. Dans ce cas, je dirais, ce n'est pas que ça en manque, sauf que c'est mal géré. Mais qui doit mettre de l'ordre? On continue. Merci. Alors, donc, c'est à ça que nous voulons répondre. Mm-hmm. Nous venons vers cette population. Et quand nous disons à la population du Mont en bas, retenez pour le Mont en bas, le code, c'est le plus 314, mm-hmm. c'est-à-dire le candidat 314 mm-hmm. que je suis. Votre homme serviteur, confiez-moi votre mandat pour que j'aille parler pour vous. Et je ne suis pas seul, hein. Nous sommes sur une liste avec des responsables éminents qui veulent aussi répondre à cela. Et nous serons heureux que la population nous confie ce mandat. Voilà. Les 314 qui demandent un mandat à sa population, quel est votre programme pour cette population de Moramba? Déjà, moi, en tant qu'élu, je vous ai dit, je vais d'abord pour au moins trois grandes choses. Mmh. M'assurer que le débat sur le budget soit vraiment ancré sur des besoins sociaux. Je veux que ça existe. Je voudrais que lorsqu'on affecte les ressources, les crédits de l'État, qu'on ne les affecte pas à des trucs inutiles. Je veux vous prendre l'illustration la plus simple qui m'a choqué. Moi, je suis choqué, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas choqués. On a organisé des Jeux de la Francophonie, on partait d'un budget d'une quarantaine de millions. Aujourd'hui, on a explosé à 230 millions à peu près, 238 millions. Ici, je ne suis pas dans l'erreur, mais on a presque 230 millions qui ont été dépensés pour des Jeux. Mm-hmm. Mais attendez, on ne peut pas utiliser ces 230 millions pour autre mais chose. Mais il y a également, pour votre information, des celles-là qui continuent à aller demander leur argent qu'ils n'ont jamais réussi pendant la période. Mais c'est ce que je dis. Comment on peut avoir consommé presque cinq fois le montant prévu initialement et il y a encore des gens qui sont impayés, des gens qui n'ont pas reçu. Il y a un problème. Et notre société doit commencer à être consciente et se révolter. Ce n'est pas l'argent d'un groupe d'individus, c'est notre argent, nous tous. C'est prélevé dans nos contributions, que ce soit dans nos taxes, que ce soit dans nos impôts, que ce soit les impôts des entreprises où nous allons consommer des services. Tout ça, c'est l'argent que nous apportons dans la caisse de l'État. Ce n'est pas l'argent qui vient de la poche des individus. Il faudrait qu'on soit plus sérieux dans la gestion de cet argent. Et votre programme, c'est de faire la suivi sur ce point? Nous voulons que, vraiment, lors de la reddition de comptes, je crois qu'il faut qu'on arrête de faire. J'aimerais que cet exercice soit très, très technique et vraiment que la fouille soit minutieuse. Qu'on regarde, que les élus se disent, ok, moi je veux prendre un groupe de lignes et je vais suivre entre l'affectation des ressources et l'utilisation. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faut qu'on devienne sérieux. Moi je pense que c'est ça le mot. Le mot c'est que c'est l'Assemblée nationale qui va être installée en 2024, doit être une assemblée sérieuse, avec des élus sérieux, hommes comme femmes, qui iront pour l'intérêt de la population et non pour leurs intérêts. Il faut qu'on arrête cette habitude de museler le débat parce que nous, la majorité ou la pseudo-majorité, nous ne voulons pas que le débat soit axé sur le contrôle ou la vérification de ce que le gouvernement fait. Voilà, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission, l'ICC, l'initiative à la citoyenneté congolaise. Messieurs, le futur député, c'est comme ça que je vous appelle, docteur Webo. Et quel est votre message plus particulièrement à vos lecteurs de Mont en bas? Alors, mon message pour les électeurs de Mont en bas, je crois qu'ils ont suivi l'émission, ils ont compris ma façon de réfléchir et l'approche. Déjà, je dis, si je viens, c'est parce que moi, pendant un moment, j'ai observé comme eux, nos élus, aller pendant plusieurs cycles électoraux. Nous avons envoyé des gens aller nous défendre et nous avons eu l'impression qu'après, ils sont arrivés là-bas, ils nous ont trahis. Mmh. Et ils ont changé de fusil d'épaule et ils ont commencé à ne plus travailler pour nous, la population. Aujourd'hui, moi, je vous dis que nous voulons apporter une réponse véritable aux besoins de la population. En allant vers l'Assemblée nationale, nous venons d'abord pour que nous puissions vous représenter, veiller à ce que les besoins que vous avez puissent avoir une réponse venant du gouvernement. Nous voulons que nous, les élus, nous puissions nous assurer que lorsqu'on affecte de l'argent pour les travaux publics, qu'une partie de l'argent aille réellement vers
nos circonscriptions et que réellement, au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau de la circonscription du Mont-Amba spécialement, les besoins en infrastructure de base puissent avoir une réponse. Nous allons mettre l'accent et faire le plaidoyer auprès du ministre des Infrastructures, auprès du gouvernement, pour que l'on puisse allouer plus de ressources aux besoins d'infrastructures de base dans nos communautés, et spécialement dans notre circonscription. Le Mont-Amba, j'aimerais bien que lorsque je me retrouve à Kingaboa ou à Ndanou, que lorsqu'il se met à pleuvoir, que je puisse sortir. Justement. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis à Kingaboa. Il se met à menacer, mes électeurs disent honorable, il faut bimambango parce que soyez mbou les bandits au bimaisou tout là la nabiso. J'ai dit oh là là. Et mais c'est vrai parce que en sortant, lorsque la pluie a commencé, je n'étais pas encore arrivé au niveau de poids lourd que j'étais pris par le flot des eaux qui descendaient et c'était un spectacle impressionnant. Et j'ai compris, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir aider cette population? Les infrastructures, la canalisation des eaux, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Pourquoi on n'essaye pas de réfléchir sur ça, sur le drainage des eaux? J'ai vu une réponse qui commence à être faite parce que j'ai vu parmi les grands axes de Kingaboa, j'ai vu qu'on a commencé à mettre des caniveaux. C'est très bien et moi je ne suis pas un nihiliste, je ne nie pas qu'il y a des choses qui se font, mais nous allons essayer d'apporter une meilleure réponse. Ça doit être mieux fait plus rapidement et dans les temps, on ne doit pas atteindre la fin d'un mandat pour commencer à poser les premières briques. Nous aimerions qu'au début du mandat déjà, que ces choses soient terminées, qu'on puisse réfléchir à autre chose. Et donc, nous demandons à la population du Mont-Amba de voter le 314 sur la liste ACRN qui est l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, qui est le parti qui porte la candidature du prix Nobel, le regroupement plutôt politique qui porte la candidature du prix Nobel comme président de la République et qui veut accompagner le prix Nobel en mettant aux côtés de lui des élus sérieux, des élus patriotes et des élus qui aiment la nation et le peuple congolais. Les 314, les changements, c'est vous. Voilà, le slogan que nous disons, le changement pour le Mont-Amba, c'est vous et moi ensemble, parce que je ne peux pas changer le Mont-Amba sans la population. J'attends que la population m'accompagne, la population m'adopte et que la population aille avec moi pour pouvoir répondre à ce changement qu'ils attendent. Merci beaucoup. C'était le docteur Mwembo Onankoy. Les changements, c'est vous et moi ensemble. Le numéro 314. Un mot de la fin, docteur Mwembo. Oui, je dis le numéro 314 n'aura pas de valeur si vous ne pensez pas au numéro 15. J'insiste. Le 15, l'article 15, je rappelle à la population congolaise, pensez à l'article 15 dans la chanson « Travaillez, prenez de, la peine ». C'est le fond qui manque le moins. Mais c'est également débrouillez-vous. Mais bien sûr, la population doit se décider à se prendre en charge et doit être responsable. Mais la population doit se rappeler qu'il y a un numéro qui va lui permettre d'arriver à pouvoir répondre à ses besoins et pouvoir se dire que la vie est belle. C'est le numéro 15. C'est le numéro 15, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. ICC, Initiative à la citoyenneté congolaise. Au revoir. Merci.